Après sa minutieuse préparation, la délégation béninoise, composée de 23 personnes dont 13 athlètes, a quitté Cotonou samedi dernier. Chef de délégation, le président de la Fédération béninoise de roller sport nous signifie l'état d'esprit du groupe avant le voyage. Actuellement, ils sont déjà dans la fièvre de la compétition. Ils ont un esprit très haut. Et l'objectif, c'est de ne pas permettre à aucun adversaire d'arracher le titre de champion d'Afrique au Bénin. Donc actuellement, mentalement, ils sont au point. Et nous avons mis beaucoup de stratégies en place. Et comme vous le voyez, même tout ce qu'ils vont manger là-bas, nous avons pris toutes les dispositions à partir du Bénin pour leur permettre d'avoir l'alimentation qu'ils ont au Bénin. L'eau, tout est pris en charge pour qu'ils puissent donner un très bon résultat là-bas. Le capitaine de l'équipe est confiant et rassure le public sportif béninois. La motivation de l'équipe est à son paroxysme. Et c'est-à-dire que nous sommes très motivés au plus haut degré pour relever ces défis-là en Égypte. Donc nous rassurons le peuple béninois que nous allons batailler très dur pour amener ce cinquième titre à la maison. Notons que la compétition proprement dite démarre le 7 décembre. Pour l'instant, l'équipe s'acclimate.